Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série en ma compagnie, Crazy Rift. Ce sera une petite série genre un peu LP, mais pas pareil, parce que le but de cette série, je vous l'explique tout de suite. Donc là, c'est un bel endroit, comme vous pouvez voir, hein. Franchement, ça a été réalisé par moi et Crazy Axe. Vraiment, je le remercie parce que j'aurais pas pu faire quelque chose d'aussi beau sans lui. Franchement, c'est vraiment magnifique. C'est majestueux. C'est vraiment. C'est juste, je trouve ça vraiment juste extrêmement beau. Donc, alors, le principe. Désolé, je suis en survie. Hein, je me suis mis les droits. Alors, le principe, en fait, je vous l'explique tout de suite. Ça repose surtout sur cette salle, en fait. Hein, beaucoup va reposer sur cette salle. Alors, en fait, le principe. Ouais, cette salle qui est aussi magnifique, hein, désolé. Le principe, en fait, si vous voulez, c'est que quand j'appuie sur ce bouton, je vais pas le faire tout de suite, hein, ça va choisir aléatoirement si c'est un gage que je dois faire, ou pas un gage, plutôt un défi que je dois réaliser, genre construire une usine à quelque chose qui va sortir d'ici avec tel matériau, voilà, donc faut que je le fasse, ou alors faut que je tue un nombre de d'animaux. Enfin, de ce qui sort ici, il faut que j'en tue un nombre précis. Bon, bref, tout ça, je dois le faire, et c'est cette machine-là qui va me demander de le faire. Après, en appuyant sur le bouton de dessus, comme vous pouvez voir, ça va demander à un personnage aléatoire, donc qui fait partie de la Crazy, hein, on va faire un PVP, en fait, ensemble. Donc, il y aura un peu de fight aussi dans cette série. Donc, tout sera en survie, tout se fera en survie, je précise, parce que, bon, un peu mieux de quand même de faire ça en survie. Donc je vous montrerai un peu l'avancement, mais le but principal c'est surtout de vous apprendre un peu la redstone, peut-être des petites techniques de PVP ou quoi que ce soit. Et si vous voulez, bah, je vous montre le système tout de suite. Donc alors, le système qui est ici, voilà, avec une petite entrée cachée. Voilà. Alors là c'est le bouton pour sélectionner, ça envoie un courant en fait si vous voulez, avec un pulse, on va dire un pulse limiteur, mais là vous voyez que c'est pas si limiteur que ça, hein, c'est... Un pulse à... attendez, je calcule... 4 tics. Bon, 4 ou 3 tics, je sais plus. 3 tics, je crois. Voilà, ça l'envoie là-dedans. Ça va venir, vous voyez, cette torche, elle est éteinte et allumée un laps de temps qui est égal, grâce à cette boucle qui est formée ici. Et ça va faire passer le courant, oui ou non. Et si ça ne fait pas passer le courant, ça va venir, le courant, il va venir être injecté dans ce bloc qui va venir traverser ici et envoyé dans le système voilà, de sélection qui sera, je sais plus si c'est lui qui donne un choix où je dois tuer ou si je dois faire construire une machine, je sais plus. Mais sinon, ça va ici s'il y a du courant, qui vient activer ce piston, qui vient envoyer un courant là-dedans pour aller dans l'autre système qui va me dire soit c'est je construis une machine, soit c'est je tue un nombre d'animaux précis, enfin de mobs précis, et ça vient envoyer un courant ici qui vient pousser ce bloc grâce à ce piston qui sera alimenté grâce à cette torche qui était alimentée grâce à ça, enfin bref voilà, empêchant ainsi le passage du courant vu qu'il n'y a plus de bloc, et donc cette partie ne sera pas activée. C'est simple, hein, voilà, c'est simple, mais bon, je l'ai réalisé tout seul, donc je suis un peu content. Donc bon bah voilà, on se retrouve tout de suite en jeu. On se retrouve tout de suite en jeu. En survie. Où je vais commencer déjà par miner, me faire une petite base, hein, parce que c'est un peu le principe de Minecraft quand on est en survie. Avec magnifique good. Regardez, c'est beau. Waouh. Voilà. C'est magnifique. Hein. Franchement, je trouve qu'on a. C'est vraiment un boulot magnifique. Hein, parce que. Toute cette montagne a été réalisée à la main. Je trouve ça tellement beau. je suis peu fier de cette magnificence. J'en suis peu fier. Et ici, le grand arbre. Attendez. Je sais pas si je vais réussir. Non, il n'est pas ici. Allez. Ah non, bon, bref. Enfin, bref, on peut y rentrer dedans, hein, comme vous pouvez voir. Et allez. Jusqu'en haut, grâce à un petit escalier, un petit truc caché, des lianes qui passent, hein, pour avoir un bon point de vue. Donc je n'ai pas généré la map trop, hein, c'est la map de base qui s'est générée, je peux pas vous dire ce qu'il y a plus loin. Je vois que là-bas il y a une belle jungle, avec une jungle un peu avec de la neige là-haut, là, comme vous pouvez voir. Là il y a une belle forêt qui continue, alors ça me plaît, j'aime bien. Je trouve ça assez beau, avec de la neige ici, de la neige aussi ici,
Ouais, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de pas mal. Donc, on se retrouve tout de suite en jeu. Et voilà, on se retrouve. Magnifiquement bien. Je suis beau, hein. J'adore mon skin. C'est un skin de base, hein. On se retrouve, hein. C'est vraiment pas longtemps après. Hein. Regardez, il fait encore nuit. Bon, évidemment, là, il n'y a pas de mob parce qu'on est un peu éclairé, hein, mais on est en normal. On est en normal, je peux vous le confirmer. Donc, allez. Je peux vous le confirmer, il y a même un zombie. Non. Non, non, je ne veux pas mourir dès le début. Je ne veux pas, j'ai dit que je ne voulais pas. On a un peu éclairé ici pour éviter que s'il y a un creeper qui pète, ça casse la machine. Enfin, ça casse surtout le décor parce que la machine est protégée par de la bedrock. Donc je pense pas que ça risque de casser. Bon, t'as combien de points de vie déjà toi? Oh là là, t'es chiant. Voilà. Oh, oh le rare drop. Ah, dès le début. Ah, qu'est-ce que je suis couillu. Regardez-moi ça. Un rare drop dès le début. Ah là là. Bon, bah, on va tout de suite commencer par casser du bois. Je vais éviter de casser du bois ici. Enfin, je trouve c'est trop beau pour casser du bois ici. Donc je vais aller un peu plus loin. Voilà, ici, Starblade me paraît pas mal. Voilà. Bon bah c'est le début et on se retrouve dès que je me suis fait un petit stuff, une petite base. En souterrain au début, hein, je vais pas me faire une belle maison, ça sert à rien. Je me la ferai plus tard, hein, je me la ferai plus tard. Allez, à tout à l'heure. Donc heureux tout le monde, c'est juste pour vous montrer pour l'instant je me suis fait un petit lit, là j'ai rien, j'ai encore vraiment rien, hein. J'ai un petit peu de trucs à bouffer, enfin bon, vraiment rien. Alors c'était juste pour vous montrer que ici j'ai mon petit lit, je l'ai mis directement en haut du grand arbre. Hein. Je suis peut-être pas très legit de faire ça, mais je me suis dit que c'est un peu mieux quand même de faire ça pour l'instant, le temps que que je me fasse une bonne base comme ça, vu que c'est un peu le cœur de la base, le cœur de tout. Je préfère le faire ici. Donc, attendez, hop, je peux prendre ma carte. Hop là. Non, moins 74, 266. De toute façon, quand on meurt, le spawn, il est ici. Donc, au pire, voilà. On se retrouve dès qu'il y a quelque chose de. Dès que j'ai un peu avancé. La creeper. Ouais, pour l'instant je vais pas venir. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette chatte. Oh, putain, regardez-moi ça. Attendez, je vais éclairer. Attendez. Non mais regardez-moi ça. Attendez, ça suffira. Regardez-moi ça. Avant que ça spawn. Avant que ça spawn. Hop. 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 Regardez-moi ça. Un spawner à araignée, quoi. Même pas, je sais pas, regardez comment c'est plus profond. Quoi? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Faire de la redstone, oh de la bouffe, oh il y a même un seau, oh c'est génial, oh c'est tellement bon, vous pouvez pas savoir. Je vais me faire, hop là, je vais mettre ça là, hop, on va faire du pain. Attendez, je baisse un peu le son au niveau de mon casque parce que je trouve ça un peu fort. Voilà, hop, on va prendre du pain, manger parce que je commence à être un peu à court de bouffe. Regardez-moi ça! Un spawner à araignée, quoi. La chance! Dès le début, quoi, ça fait même pas 5 minutes. J'ai déjà du fer, tout le genre. Ah, je pourrais me faire une pioche en fer. Regardez-moi ça! J'ai même pas eu besoin de passer par la pioche en pierre. Ah, je vais quand même la faire, hein. La pioche en pierre. Hein. Ouais, je suis obligé, de toute façon. Ouais. Je vais récupérer la pioche en truc. Récolter du. De la pierre pour faire un peu cuire des choses. Et c'est vraiment à deux pas, hein. Attendez, regardez, je vous montre. Regardez-moi ça. À deux pas, quoi. C'est juste à côté. Tiens, mouton. Non, seulement j'ai déjà mon lit. M'en fous. Je te laisse tranquille, Axe. Axe. Bon bah vous voyez ici il y avait un creeper donc du coup j'ai bouché. Vous voyez, ah j'avais pas vu. Oh là là, et je vais pas bien. Regardez du fer. Mais oh, je suis trop chanceux là.
Bon, on se retrouve dès que j'ai un peu plus de minerais, un petit peu de stuff et que j'ai tout ce qu'il faut. Regardez-moi ça. Une faille. Ah, pile poil ce qu'il me fallait. Là, oui, il y a de l'obsidienne. Regardez-moi ça. Une magnifique faille. Wow. Là où il y a de l'or, vous pouvez voir. Là, j'en suis à 25 de fer. Beaucoup de charbon, ouais. Et pourtant, je mine depuis même pas 5 minutes, hein. C'est pour vous dire le taux de trucs qu'il y a dans cette grotte, c'est impressionnant. Il y a des centaines de minerais là, il y en avait plein. C'est. Ouais, je suis cocu en ce moment, quoi là. Une chance de cocu. Ah, je me tiens. J'ai vu que j'étais parti éclairer tout de suite, j'ai même pas récupéré le fer qui est là. Hop là, cassé. On va passer à ça. Au moins, on se retrouve dès que j'ai de nouvelles choses à vous montrer. Ouh, j'aime pas ça. Non, non. On se repose. On se repose. Ouh. Calme. Calme, calme. Foufoufoufoufoufou. Ah, c'est chaud ça. Français d'esprit. Ah ouais, alors là, pouf. Sortir. Oh, j'ai eu de la chance là, je peux vous le dire, j'ai eu de la chance. Et re tout le monde, voilà, on se retrouve après la séance de minage, hein, comme vous pouvez le voir. On a pas mal de charbon. Vous voyez, j'ai trois stacks et encore, il y en a qui cuit, qui sert à faire cuire, donc bon, pas mal. On a de la redstone, ça c'est bien, ça va pouvoir faire, on va pouvoir faire quelques trucs avec. Bon, encore énormément. Là, on a 36 lingots de fer, mais il y en a pas mal qui sont en train de cuire. Regardez. Là, c'est ça, on a de l'or aussi. Hein. Avec tout ça, je l'ai fait en 1 heure environ, donc plus d'une heure. Donc, je trouve que ça va. Je me suis arrêté parce que d'une, j'avais plus de nourriture, donc sinon, j'allais crever de faim en bas. Et mon épée s'est cassée. Et quand je casse mon épée en mon grotte, là, moi, je me dis, c'est peut-être le moment de partir. Ça t'as tué assez de mobs comme ça. Et encore, j'en ai pas. Je n'ai pas croisé énormément, un peu beaucoup quand même, mais ça allait, ça allait. Je sais pas si ça va faire assez, parce que je vais vous montrer des petites séquences de minage. Je pense que vous avez vu, hein, je vous ai montré des petites séquences de minage. Tiens, il faudrait que j'ai une épée pour tuer le cochon. Je vais faire ça à la hache, à la pioche. Donc ouais, normalement je vous ai montré des petites séquences de minage assez sympathiques où il s'est passé. Des trucs, un peu particuliers. Je sais pas si ça fait une vidéo longue ou courte, donc je pense que pour l'instant ça suffit, hein, parce que c'est le début, hein, c'est le tout début de Minecraft, c'est le temps de récupérer des trucs, d'avoir de quoi survivre un peu, hein, vu qu'on est en survie. Hein. Et puis ensuite, dès que j'aurai un peu de tout fait, tout sera bien, je pourrai commencer avec faire quelques gages, hein, quelques petits défis. Hein. Je vous laisse aujourd'hui, je vous laisse maintenant, je pense que vous voulez maintenant, et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut!